chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Oui, je te donne mon lexique. Ça, c'est ton poste. Ne me dérange pas pendant l'exercice. Tranquille, faut enlever les souliers, gars. Mais oui, pas trop. What's up, bro, fam? Yes, on est là. Tranquille, quoi. C'est le catch-up à toi, là. Yo, tu as pris du temps, pour de vrai. Oui, ça a pris du temps, mais c'est correct. Pour moi, t'es là. T'es là, bro. Je sais qu'on va faire. Ça va être spécial aujourd'hui. Yo. Faut mettre les lunettes, regardez pas le bling directement. Finally, bro, après tout ça. The man himself. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Je suis pas content de voir, là. Qu'est-ce qui se passe, là, les gars? Enfin, bro? KBG, là, man, après 65 000 tentatives. C'est comme ça, des fois, quand les gars sont comme, you know, trop stardom, whatever. C'est difficile de les catch. Mais là, il est là. On va faire une belle entrevue. Ça, on va envoyer 2-3 shots now. Okay, cool. Champagne, hein? Fuck it, moi j'aime. Je vais finir au resto tout à l'heure avec une forme sur you. Je vais déjà aller des babas. Finally, man. Ça fait combien de temps, bro? Ça a fait au moins 3 tentatives, au moins. Ouais, sérieux. Parce qu'à chaque fois que j'étais down, vous pouvez pas, puis le contraire. Tu comprends? Une fois, je pense que c'était nous. Ouais, une fois sur deux, c'était nous quand même, c'est pour ça. Ouais, je me rappelle. C'est pas grave, après ça s'est donné. Exact. Oui, hey. C'est génial, le petit Fanta. Ouais. Il est terrible, c'est la première fois que je mélange ça. Ça fait longtemps qu'on travaille pour avoir ce guest-là à l'émission. C'est pas facile, Un homme très occupé, un gars qui se démarque. Et puis lui, il prend la game single par single. Ouais. Il n'y a pas officiellement un projet complet, mais un single à la fois, tranquillement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Il fait beaucoup de bruit présentement. On va faire du bruit pour KBG! Respect, les gars. Yo, félicitations pour la première fois que tu dis correctement, parce que lui, il va toujours dire KGB. KGB, yo, you want them rushes? J'ai pas cap, je regardais sa chaîne pour être sûr. Oh, 184. Yo, he might win the drip of the year, man. C'est comme ça, man. KBG. Bro, at least, KBG va gagner. Au moins pour le Youngin. Je prends le Youngin of the year, au moins. Yeah! Ok, je pense. Ouais. J'ai mis au plus les baguettes, man. C'est quoi les baguettes quand ils parlent? C'est ça, check. Tu vois, c'est différent, c'est des trucs que... C'est ça, ok, c'est ça ici, puis en haut. Ouais, tu vois. Puis sur le côté, ok, this is baguettes. Ouais. Depuis le temps que Mace rappe de ça. Yeah. C'est la coupe. J'ai comme, what the fuck is baguettes? Puis là, c'est la base. Là, tu le vois, là, en vrai. Là, toi, t'es un gros fan de Mace. Get educated, Cyrano. This is baguettes, les baguettes, ok. C'est une petite baguette, là, de diamant, là. Ouais, là. Ok. Depuis le temps que Mace rappe de ça, mon cher. Mace. Mace le patron? Non, il sait pas c'est qui Mace, c'est avant son temps. C'est qui Biggie, c'est qui Tupac. Mm-hmm. C'est qui Biggie? Mm-hmm. Notorious Big. Ouais. Il connaît pas. Mais il connaît pas trop. Mais il connaît Mace. Ouais, les drinks, là, je vais prendre. Je vais pas être sur un bent.
pas toujours être bête là, les jeudis ou les mardis ou les mercredis. Faut prendre des trucs comme ça, tu comprends? Des petits bails comme ça, des petits fantasmes. Shopping scene. Shout out à Munchies. C'est surtout des drinks qu'on prend. But go get some chips too. Ah, oh, ça c'est un bail. Check, c'est marqué en cantonais. Les petits jujubes qu'on peut prendre là, bagaille. Le watermelon. Tu reçois shot. T'es plus chips ou jujubes? Chips. Je suis plus salé que sucré. Mais les jujubes, c'est pour les invités. Je vais venir avec Serrano parce que Serrano fait une mauvaise sélection de munchies. Non, mais je suis un bon sac pour toi aussi. Je suis un muncher, tu comprends? Yes. On a le joueur de foot, man, par excellence. Tu es dans mine? Personnalité, une amie des athlètes. J'ai même fait pas de jersey pour toi là. Oui, j'ai pas d'alouette jersey. Non. J'aurais dû dire de nous en amener. Yeah, je suis venu me préparer, j'aurais dû en amener pour de vrai. Mais t'as amené la bague, d'où? Yeah. Yeah, je suis passé à la banque pour aller la chercher dans. Pour vrai? Ah, c'est dans le coffre, oui, pas, ouais. Straight up, ouais. This is a champion, bro. Yo, c'est real, check la bague. Yeah. Winnipeg Blue Bombers. Yo, c'est heavy là. So he's a real Grey Cup champ, yo. Yo, le bail est lourd, oui, man. Yeah. Celui qui va gagner le Ice de l'année. Yo, il peut gagner l'Ice de l'année, il là. Il peut gagner l'Ice de l'année par yo. Défaut, man. C'est real, because he won this. Comme tu veux pas acheter ça, bro. Tu veux dire, c'est ça l'affaire. Mais tu peux le vendre, though. Fait que tout le monde en a rappelé à ton nom. Quand tu veux un film, là, mon ami. Ton nom exhumé. I need a rock. Straight up. Il y a eu des gars qui ont joué collégial, puis ensuite... mais ils ont pas été professionnels. Professionnels et tout. C'est collégial au basket. C'est qu'il y a Juice Man qui a joué. Juice Man, il a joué collégial. Il a joué professionnel. Ouais, t'es le premier Rito, professionnel. Rito a joué aussi. Ouais. Mais t'es le premier Rito. Qui est certified. Ouais, hein. Certified. With professional. A fucking ring, bro. With a ring. With a ring. We have a champion up in this bitch, man. Yeah. Il faut changer le W en M pour gagner ici à Montréal. C'est ça, straight up. J'allais dire qu'on avait perdu contre Toronto, man. Are you gonna not? Qui était déjà fait des sports? Moi, je suis un gros joueur de basket, mais j'ai plein de plaques Espoir du Québec, Nobel de Laval, you already know. Tous les gars qui savent, les gars de Saint-François avec qui j'ai joué au basket, you already know. Toutes les shout-outs à tous les gars, vous savez déjà. C'est le premier athlète professionnel qui vient à rap politique. Man, c'est un gros ça fait moment. Longtemps qu'on voulait, fait que c'est un gros moment pour nous de faire le crossover vers le sport. Vous savez, le hip-hop et le sport, ça va ensemble. Il y a beaucoup des artistes qui sont venus ici, qui ont joué au niveau collégial dans certains sports. Il y en a plusieurs qui sont venus ici même. Mais là, c'est le premier professionnel Grey Cup champion. Il y a sa bague de championnat. Et on va faire du bruit pour Kerfala Exhumé. Next up, nous. Merci. Shout out to Young King, Kim Thu. Il est venu m'accompagner à cette émission à la politique. C'est lui qui m'a poudré dans cette émission-là. Qui m'a fait connaître l'émission. Maintenant, on est là. Let's get it. Tu regardes tous les épisodes? Yeah, j'ai tout écouté. Moi, j'écoutais depuis que c'était aux deux semaines, là, au tout début. Parce que je suis un homme de famille et tout. Le Timoun Lakaï et tout, c'est mieux. Combien? 4. Ouh, ok. On chante pas, nous. C'est ça mon sport. Ils ont quel âge? On joue aux dames. Non, non, je n'ai pas besoin. Ouais, c'est ça. Mais je viens d'avoir une fille de 1 an. Ensuite, 11 ans, 12 ans, 16 ans. Straight up. T'as pas encore. Elle en doute. Ah, t'en as deux? Deux en bas de 2 ans, yeah. Ok, ah, oh, celui-là, back à back, hein? T'as pas chômé avec ça, non? Back à back, boum. Je suis bon. Les garçons, ou? Ok, t'as gagné. Donc là, ça va être football, basket, soccer. Je vais faire mon équipe. Yeah, c'est ça. Ah, je vais les mettre dans tous les sports. Ouais, ça, j'en doute pas. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est Saint-Michel, toi? Ouais, Saint-Michel. C'est ça. J'ai habité un an avec lui, et chez eux. Juste le 1 an, là, c'est grâce à eux là, que j'ai appris à nager, là, sinon j'aurais pas nagé. Nager, patiner, mon cher, sinon... C'est qui le rappeur de Saint-Michel présentement? Le meilleur? Présentement, le meilleur de tous les temps, mais qui est là, qui est hot là? Ben yo, c'est easy, mais... Ouais.
Just making sure. En vrai, c'est pas c'est qui easy, yes? Oui, oui, je suis easy. Ok, ok, ok. Enfin, j'ai pas mentionné, mais il... Ouais. Ce que j'ai meilleur, c'est Sadique, okay. Là. Sadique. Le GOAT, c'est Sadique de Saint-Mich. Impos. Ouais, pas c'est l'incontournable, lui, ouais. C'est la star. So that's it, guys. Yeah, fait que merci beaucoup. Merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. On est ensemble, bro. Fait que thank you, guys. Pareillement. Puis merci de l'avoir introduit à la politique. Straight up. T'es venu comme ça? Machin gars. T'es pas venu comme ça? Ouais, bro. Il va y avoir une tempête de neige, hein? Hein? Il va y avoir une tempête de neige. Même moi avec des tempêtes, je suis en claquette. Straight up, ok. J'espère. Ok, t'es sérieux, lui il est venu comme ça. Oh, no cap. Je crois que même s'il fait froid, lui. Ok. Un vrai maghrébin, man. Yo, il est venu en sapate, bro. Un vrai maghrébin. Il fait comme moins 5 aujourd'hui sur Montréal. Tempête de neige en prévision ce soir, là. Fait que. You're real. Straight up, Sue Bills in the building. Check son sac. Que... Je sais pas, j'ai pas fait mon Sue Moon, je sais pas. On va voir si c'est pour, ça, c'est pour l'émission, on verra. Hello KK, man. C'est ça là. Je viens de le texter pour dire yo, ils sont arrivés là. Ah, c'est son swag pour l'émission? Bien sûr. Ok, ok. Je viens d'aller live là. Straight up. Ah ouais, bon. On vient se parler. Tu me filmes? Louis Vuitton, in it. This is leather. This is almost not leather, bro. Hein? Non, je voulais tousser le matériel. Ah, mon gars. Il n'est pas, moi. Que t'as les cop live, là. Yeah, bro. C'est Noël, frérot. Faut se faire plaisir, des fois, bro. Faut se gâter. Poser, non? Ouais, c'est ton 16. C'est 5 bahts. 7 bahts incluant taxes, là. 5700 plus taxes, c'est comme 7. 000. C'est comme 6.7. Ah, ok. Ah, le 5, ça veut dire quoi alors? 5.7. 5700 plus taxes. Oui, so bills. Avec le suit en plus. Yo, yeah, what's good. Ça va? Yeah. Le rap, c'est de l'argent, bro. Ouais. Beaucoup d'argent, là. Surtout quand tu fais beaucoup de streams. Ouais. Ça paye. C'est juste que. En tout cas. On va en parler. Regardez ça. C'est ça. Ça, c'est l'explication. Non, mais j'aime ça. Ça fait comme au States, whatever, yo, comme il faut que j'explique à mes fans, what's up? Yeah, on va parler. Toi, tu rappes avant, non? Non, moi, c'est vidéo, promotion. Ouais. J'essaie de rapper comme Cyrano. Est-ce que vous faites YouTube Money au moins? Ouais. Ouais, ça se passe? Il y a les sponsors, les Patreon. Ouais, mais yo, toi, on fait ça fait comme 3 ans, bro. C'est sûr, on va pas aller au Louis V Store, là, on va pas aller. On est pas encore rendu là, but you know what I mean? De vrai, c'est un gars qui était sur la voie d'être le prince de la ville. Oh, what happened? Lui, c'est un gars très solide dans le game. C'est un des premiers dans le, t'sais, d'avoir des millions de notre génération, de notre génération, d'avoir des millions de views. Ouais. Un gars qui a fait beaucoup de bruit, toujours très swaggy. Yeah, yeah. En faire du bruit pour Sue Bills. Make some noise. On doit comprendre, on doit finir par comprendre que, bro. Un jour on va die là, tu comprends? Un jour on va die, puis un jour on va être questionné sur tout ce qu'on a fait, bro. Tu comprends? Straight up. So yo, ça c'est Roji. Ça. Pour ceux qui ont oublié, c'est normal. It's been 15 years, nigga, they ain't drop shit. Fashionably late. Non, ça va être pour la culture, les gens là. Oh, là, on va mettre les points sur les i dans ce podcast là. Put some respect on his name, man. Been in the game for years. Vous avez parlé de swag, ben? De swag? Non, moi, je pourrais mettre ça autour de mon cou. Il y a juste un peu ça. Non, je pourrais mettre ça autour de mon cou, ben, swag it out. Non, c'est vrai, la politique, faut vous amener aux affaires. Hein. C'est, ouais, c'est ça, nous, on essaie de. Vous allez devoir, après? Tu vois, c'est un de gars, non, c'est avant, il faut prévenir, lui veut guérir, it's not working like non, that, c'est man. Bon, c'est toi, t'amènes un swag, you bring food. Ah, food, or drinks, man. Ok, non, on va passer de l'autre côté. On ressuscite des carrières dans la politique. Ouais, hein. Ça, c'est ben, check Cyrano. Oh, 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 oh.
Non, non, mais là, c'est comme... C'est un easy shot, mais tu sais, c'est juste que le monde... Le monde n'accepte pas que Cyrano bon plus que... C'est ça la vraie chose. Le vrai statement, c'est que... Pourquoi Cyrano est the hottest shit in hip-hop right now? C'est ça le statement, c'est plus ça. Un autre panel, My Name Drop, t'as entendu la track qui est... Billy, back un hater, il talk shit, c'est, je l'appelle Cyrano. C'est un hater, il talk shit, je l'appelle Cyrano. Yo, combien la job était tellement, tellement... Non, il l'a dead, il a bien non, non, Billy, tu l'as dead. Mais on attend que Billy, tu drop quelque chose d'autre, parce que là, c'est comme, c'est bon de prendre un woolim sur le nom à Cyrano, then what? Then what? Parce que pour nous, c'est everyday shit, man. Drinking all this good champagne and shit. Things for the bourgeois. Yeah, that's what's up, man. We're gonna celebrate life. C'est le genre d'entrevue que bon, j'ai pas besoin de préparer vraiment off the top. Je vais piger dans, j'ai pigé dans les affaires. C'est Rano là qui va arriver avec des affaires, je sais déjà. Des affaires bizarres. C'est sûr. No cheers, guys, man. C'est ça. Non cheers. Mais c'est toi qui as bu, tu dis no cheers. Ouais, j'ai goûté avant tout, man. Avant tout, juste être sûr qu'il n'y a pas de poison dedans. On est très, très heureux d'avoir le guest qu'on a aujourd'hui. Un gars qui a fait beaucoup de temps dans le game quand même. Ça fait longtemps qu'il est là. On va vraiment parler de sa carrière étendue. Un rappeur créole et anglais. Yep. Ghostwriter en plus. Mm-hmm. Fait que si vous avez de la misère avec vos textes, il peut vous aider. Yep. En anglais, en créole, même en français, je suis sûr qu'il peut ghostwrite. On va faire du bruit pour Roji. Next on Tu as vu comment Kiki est excité de t'avoir ici ce soir? Il est excité aussi de m'avoir exposé, de dire des affaires que t'es pas supposé dire. That's what's up, tu comprends? Parce que je sais que quelqu'un dans mon entrevue va essayer de faire des affaires et tout, mais j'ai déjà des affaires. N'oublie pas de me checker, bro. C'est pour ça. Regarde, je vais vous dire quelque chose. L'affaire, c'est que pour mon entrevue, j'ai un joker pour ces deux-là. Soit c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient smart, parce que dès qu'ils vont me dire une affaire, je dis yo, tu vas aller là parce que j'ai ça. Puis ils vont dire, ok, vague. So, j'ai des jokers pour ces deux-là déjà. So, be smart. C'est comme soyez, parce que j'ai été très gentil avec toi, j'ai pas parlé des balles que je devais parler. So, these niggas, better be smart. Je sais qu'après celui-là, il va avoir tellement de backslash. Celui-là, avoue. C'est sûr, on a parlé de back and shit. Ouais, il va avoir plein de backslash. Yo, t'as tellement un vécu fucked up, c'est sûr. Il va avoir plein de backslash. Je sais qu'il va avoir du backslash, c'est pourquoi c'est là que ma relation avec Pi va vraiment se terminer. Jure? Ouais, parce que tu vas dire, parce que t'as dit des vrais bails. Mais c'est des bails que t'avais vraiment dans le cœur aussi, là. Avec Pi? Avec PC. Yo, c'est des bails que yo, moi-même, que je parlais avec lui. Parce que c'est pas juste lui, c'est le. Non, mais t'as rien dit de mal. T'as rien dit de mal, mais t'as dit des vérités. Il était dans un club à un moment donné. Ah oui. Puis il y avait une panique. J'ai pas besoin de le dire parce que he knows, bro. J'ai pas besoin de le dire. Il sait quand dans lui, il l'a pas. C'est comme ça que je veux dire. Puis c'est la même façon que, comme il s'appelle le manager de Zach Zoya. Je voulais l'expose, mais je me suis dit... Le manager de Zach Zoyas. C'est Remy... Yeah! J'allais... C'est pour ça que j'ai dit comme ça, oh, il y en a d'autres aussi, là. Mais tu vois... Comment j'étais gentil. Oui. Yeah! Le manager de Zach Zoya, là, j'aurais pu le mettre dans la main. Ah ouais? Aussi. Ben oui. Oh! Ben oui. Tu viens de me dire ça, puis je suis saisi. Tu sais quoi, guys? C'est moi qui l'a pour homme, puis maintenant, il essaie de comme parce qu'il m'a dit... Yo, on n'est pas prêt pour ces bandes ici. Il m'a dit, quand il avait signé Zach Zoya, il m'a dit comme ça, yo, bro, you and Zach should do a song together. J'ai dit, yo, bro, pour l'instant, je vais te revenir, parce que je suis en train de faire mes affaires. Quand j'étais prêt, je lui ai dit, yo, bro, je suis ready pour Zach. Il m'a dit, oh, je vois pas pourquoi tu feras un track avec lui, il peut plus t'aider que tu puisses l'aider en ce moment. Il dit, oh, it's like that now? Il dit, yeah. Il dit, okay, cool. It is what it is. J'ai pas de, you know, bad blood. I'm just doing me. Puis quand ça va se passer, that's it, man. Man, it's seen in my politique.